Hello, hello, bienvenue à vous mes jolis artisans de paix. Je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très heureuse de partager avec vous une vidéo. Mes chers fidèles abonnés, bienvenue à vous. Merci, gratitude infinie et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors merci à vous de mettre un petit pouce en l'air avant que je commence, s'il vous plaît, comme ça je suis sûre que vous n'allez pas oublier, pour faire monter notre chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et oui mes trésors, à partir du moment où on dépassera les 1000 abonnés, je pourrai non seulement vous faire des lives, mais j'aurai beaucoup de paramètres qui seront débloqués. Pour l'instant je suis restreinte, donc je fais de mon mieux avec le peu qu'on m'a donné entre les mains. Mais je trouve que c'est déjà énorme. Merci à vous, merci. Jamais j'aurais pensé que l'assaut Énergie aurait dépassé les 400 abonnés en même pas 6 mois. Gratitude infinie, merci encore pour tous vos partages et merci de continuer à faire vivre cette chaîne par votre présence. Allez, on continue les guidances pour le mois de novembre, bien qu'on soit déjà à la mi-passée. Allez, c'est pas grave, rappelez-vous que ce sont des tirages intemporels. Qu'importe le moment où vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard dans ce bas monde, il n'y a que des providences divines. Des coïncidences si vous voulez, mais j'appelle pas ça des coïncidences, comme disait Einstein. Ce qu'on appelle le hasard, ce n'est que la signature du maître, la signature de Dieu. Allez, c'est parti. Je prends le tarot du zodiaque et on va voir quel est le signe astrologique qui va avoir droit à sa guidance. Avec en plus les énergies qui sont bien palpables. Amen. Eh bien, c'est nos petits taureaux. Amis taureaux, j'espère que vous êtes en bonne santé, mes petits taureaux, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant taureau. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous, c'est votre tour. Et on va voir tout de suite que vous réserve cette année 2021 sur tous mes trésors, sachant que le feu vert a déjà été donné. Mais comme on a dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Eh bien mes petits taureaux, cette année vous dit bien cap sur le changement ou changement de cap, comme vous préférez. Parce qu'en poursuivant sa trajectoire justement dans votre signe, Uranus dans la lignée de l'année précédente justement, continue pour vous les transformations. Et oui, tout se bouscule encore pour vous. Il y a encore des choses à changer, des nécessités de changer des choses, des bousculades dans votre vie. Des remises en question peut-être pour certains d'entre vous, mes chers petits taureaux. Et oui, vous êtes déjà assujettis à ça et là encore plus. Vous devez être enclin à vous accrocher à vos valeurs, à vos acquis. Ce qui n'est pas évident pour vous d'envisager autre chose d'ailleurs. Eh bien, sachez que 2021 vous y oblige. Et va convenir pour vous-même justement de la nécessité de passer à autre chose, sous peine de rester le quasi identique, sans être certain de pouvoir justement avoir les prochains horaires de train. Et oui, voilà, si le train y passe, et ben, tu restes à quai, hein, comme on dit, hein, mon petit taureau. Hein. Et oui, mes petits taureaux, regardez, sur les rails, il va falloir revenir sur les rails, il ne faut pas être en retard d'un train. Une fois que le train il est parti, et puis pour vous, on vous dit de repartir, vous devez repartir. Il y a quelque chose pour vous, il y a un nouveau départ sur une chose, il y a un changement de cap, tout simplement, mes trésors. Vous n'avez pas le choix, aujourd'hui vous devez changer quelque chose, et Jupiter va vous y aider de toute manière, ça c'est clair, c'est la planète de la chance. Elle saura vous guider vers davantage d'optimisme, justement, pour plus d'épanouissement. En agissant comme un véritable électrochoc, elle va vous aider de toute manière à commencer à mettre en place les changements que vous déciderez, et d'autre part, même ceux que vous n'aurez pas décidés. Alors attention, ne faites pas les changements de façon radicale non plus, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous devez procéder à votre rythme, mais surtout petit à petit, sans forcer les choses. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si petit à petit, un pied après l'autre, sans forcer, sans tout révolutionner, surtout pas mes trésors adorés, évitez si vous voulez pas les problèmes. Et qu'est-ce qu'on va vous prendre comme oracle ? Allez, on va prendre le grand oracle du zodiaque. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Merci à maman Marie. Amen. Oula, il y en a trop là. Ah non. Ah oui, au fait, j'ai le chat qui s'amuse à me manger les petites plumes là. Donc il va falloir que j'enlève les plumes. J'ai retrouvé tous les anges par terre, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. Eh ben, j'ai surpris le chat en train de jouer avec les plumes. Donc, merci le chat. Allez, on recommence. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Merci maman Marie, merci la source d'amour et de lumière infinie. De me donner pour mes petits taureaux chéris, s'il vous plaît, un message clair et précis. Amen.
Eh bien, vous avez le Verseau. Alors, soit il y a une personne qui est de signe du Verseau dans votre existence, ou soit c'est tout simplement mes trésors, un collaborateur ou une personne dans le cadre professionnel qui aura une figure importante à jouer dans votre existence cette année. On va voir ça ensemble, mes trésors, que vous réservent ces belles énergies, justement. Le Verseau est là pour vous rappeler de vous démarquer, mes beaux taureaux. Il faut avoir une ligne de conduite à adopter. Et puis, si vous voulez rester en accord avec vous-même, avec vos inspirations profondes, vous respectez cette ligne de conduite et vous vous démarquez. N'ayez pas peur de refuser les conventions, les normes. Après tout, vous n'êtes pas fait pour être dans le moule. Vous avez une singularité, et bien revendiquez votre singularité. Vous n'êtes pas fait pour les idées préconçues. Il ne s'agit pas de vous marginaliser pour autant, mais juste de préserver votre indépendance d'esprit. Tout ce qui touche à votre originalité ne doit pas être touché. Après tout, vous avez un côté avant-gardiste qui fera toute la différence, mes chers amis. Alors déployez vos ailes, déployez vos antennes et soyez surtout à l'écoute. On vous demande d'être à l'écoute de l'air du temps, histoire de prendre une longueur d'avance sur les autres. Voilà ce qu'on vous conseille, mes petits taureaux, déjà pour commencer. Je rappelle que ce sont des énergies générales. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mes trésors. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'informations, et je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous aider. Eh bien, mes taureaux, à partir du 6 déjà janvier, ça a commencé pour vous parce qu'avec Mars et Uranus qui ont fait leur petite rencontre, eh bien, ça a bousculé un petit peu vos habitudes et encore plus votre comportement. Dorénavant, vous êtes déterminés. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez l'être. Normalement, ça devrait être le cas parce que les énergies ont déjà commencé chez vous depuis le 8 janvier. Vous avez été relancé peut-être dans une activité, dans un projet. On me parle d'activité professionnelle. Vous avez reçu des informations, des nouvelles, ou en tout cas vous allez les recevoir. Et encore plus, dès le 19, sachez que le soleil commence à concrétiser ou à sceller vos efforts, justement. Grâce à l'énergie du soleil, vous allez consentir à la progression. Et votre carrière va également progresser. Vous avez des points positifs tout au long de ce mois-ci. Que ce soit dans vos amours, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail. En tout cas, il y a un réel changement de cap, mes trésors. Ça, ne pas en douter, vous changez de cap littéralement. Que ce soit en amour, rien n'est jamais acquis, et surtout par l'amour de l'autre. Vous savez très très bien que l'amour de l'autre n'est pas acquis. C'est pour ça que c'est le moment aussi, peut-être pour vous, de vous montrer un peu plus inventif, pour lui apporter quelque chose de nouveau, ou une nouvelle dynamique à votre couple. Surtout si vous avez l'impression un petit peu que ce couple s'est essoufflé, ou que vous avez du mal à communiquer. Au niveau financier, bien, mettez tout en œuvre pour repartir sur des bonnes bases financières, beaucoup plus saines, avec le Verseau qui est là pour vous apporter ses énergies. Le Verseau vous dit qu'il va falloir un petit peu épargner, mes chéris. Hein. Si vous étiez un panier percé, ben, c'est le moment de faire un petit peu les économies. Les économies. Hein. On n'est qu'en début d'année, donc il va falloir un petit peu économiser. Avec le Verseau, vous avez l'imagination et la création qui est là. N'hésitez pas à les favoriser, votre force créatrice est là. Il a toujours été là d'ailleurs, et c'est une de vos principales qualités. N'hésitez pas à l'exploiter. En tout cas, vous allez savoir tirer votre épingle du jeu, mes petits taureaux, et ça, je ne m'en inquiète pas, encore plus durant ce mois de janvier, bien qu'il soit entamé. Je rappelle que ce sont des énergies générales et intemporelles, donc qu'importe le moment, quand vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. C'est le bon moment, c'est quand vous tombez dessus que c'est le bon moment. On me parle d'une annonce, quelque chose en votre faveur qui va être fait. On vous dit qu'il n'y aura plus qu'à baisser les bras pour ramasser ce qui vous revient de droit, ce que vous avez mérité d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, vous allez être confrontés un petit peu à un dilemme aussi peut-être ce mois-ci, là, donc vous n'allez pas trop savoir quelle action il faut entreprendre. Peut-être qu'on va vous proposer de faire une action peu recommandable pour atteindre votre objectif ou votre but. Eh bien, n'oubliez pas que toute action repose sur la loi du karma, mes petits taureaux. Attention à ce que vous allez faire. Réfléchissez bien avant de vous lancer. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Et on va voir ensemble avec le tarot de la réussite. Allez. Merci mes anges, merci mes archanges, merci la source d'amour et de lumière de bien vouloir pour mes petits taureaux. De me donner un message clair et précis pour ce mois de janvier et pour ces énergies, surtout lunaires, que nous avons eues après cette première nouvelle lune de l'année qui a eu lieu le 13. Les énergies sont toujours palpables. Je vous rappelle que les énergies lunaires sont là pour un cycle jusqu'à la prochaine lunaison.
Et donc là, la prochaine pleine lune, amen, elle aura lieu qu'à la fin du mois. Eh bien, voyez, vous avez la carte du progrès, mes trésors, la carte numéro 7, qui vous dit bien que vous êtes en pleine progression, mes petits trésors. Il y a vraiment un changement de cap, hein. Il y a quelque chose qui bouge, hein. Et pour moi, professionnellement, ça bouge aussi pour vous, il n'y a pas à dire. La carte du progrès vous dit bien qu'il y a un bon démarrage, il y a quelque chose qui arrive à vous. En tout cas, vous avez la volonté de réussir et d'atteindre vos objectifs, mes chers amis taureaux. Et vous allez donner le meilleur de vous et surtout de vos capacités pour obtenir ce qui vous tient à cœur. On vous dit juste de faire attention à ne pas vous laisser aller. Parce que c'est ce laisser aller qui peut vous empêcher justement d'avoir cette belle progression, d'avoir cette belle croissance et le succès que vous aviez pourtant prévu depuis longue date, depuis longue durée. Donc, ce n'est pas le moment de vous laisser aller. Si au cas échéant l'idée vous venait, bah, il faut vite se ressaisir, hein, et vite. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec la carte du progrès? De faire attention quand même, parce que les résultats ainsi que l'opinion de ceux qui travaillent à vos côtés sont excellents et plein de promesses d'expansion, mais des fois vous pouvez malheureusement gêner et surtout attirer beaucoup de conflits avec l'autorité, donc évitez ça. Encore plus durant ce mois de janvier, s'il vous plaît, évitez tout conflit avec l'autorité, qu'elle soit professionnelle ou l'autorité, la loi. Évitez tout problème avec la loi, voilà, avec l'autorité. Surtout que... Allez voir la vidéo que j'ai faite, s'il vous plaît, pour les énergies là, de la période, justement, du 16 au 20. Et allez voir qui est l'ange qui nous accompagne et quel est son message, justement. Vous allez rigoler. J'adore les synchronicités, il n'y a pas de hasard. Et là, on vous dit bien que vous avez un bon redémarrage, quelque chose de nouveau, un changement de cap. Pour votre couple aussi, peut-être, que vous commencez l'année sur les chapeaux de roue avec votre partenaire, si vous êtes en couple. Peut-être que la sensualité, le charme, la complicité vont enfin être au rendez-vous. Surtout que vos soirées en amoureux risquent de ne pas vous lasser, bien loin de là. Il y a peut-être même une plus grande communication qui a été favorisée entre vous afin d'approfondir vos sentiments mutuellement. Quoi qu'il en soit, c'est une période de choix. Une période de choix pour vous, pour changer de cap, une période de choix pour vous engager. Une période de choix, c'est vous qui avez le choix. N'hésitez pas à choisir. Vous êtes le maître de votre destin. Vous devez aussi avouer des secrets peut-être. Vous pardonner de vieilles histoires ou vous faire pardonner. On me parle également de déplacements, de voyages durant ce mois de janvier. Vous allez beaucoup bouger, bien qu'il y ait le confinement. Vous allez être amené à vous déplacer peut-être pour des rendez-vous professionnels. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît, je suis curieuse. De toute manière, votre santé, elle est assez bonne, mes trésors. Avec la carte du progrès, vous êtes là déjà depuis octobre de l'année dernière, en train de reprendre une vitalité, même s'il y a eu des baisses de vitalité et d'enthousiasme par moment. Eh bien, vous avez des plus qui reviennent, mes trésors, et on vous le dit. Et on va vous prendre une carte du tarot du cœur pour voir quelles sont vos énergies sentimentales. Merci, mes anges, merci, mes guides, merci, mes archanges, merci, la source d'amour et de lumière infinie. En ce jour béni, de bien vouloir me donner pour mes amis taureaux un petit message clair et précis. D'ailleurs, je vous ai caché, pardon, mes petits taureaux. Allez, les anges, s'il vous plaît. Et alors ? Merci mes guides, s'il vous plaît mes archanges, merci de me donner un message clair et précis pour mes amis taureaux qui regardent cette vidéo. Merci mes anges. Je rappelle mes petits taureaux, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant taureau, c'est pour vous cette vidéo. Eh bien, vous avez la carte de l'union. Écoutez, vous êtes en train d'évoluer mes trésors, je ne sais pas quels sont vos projets, mes petits amis taureaux, on va vous mettre là plutôt l'union. Vous avez une très belle carte, en tout cas il y a quelque chose qui peut se consolider si vous le souhaitez, après bien entendu... C'est vous qui décidez. En tout cas, avec la carte de l'union, vous avez de très très belles énergies. Toutes les relations affectives sont protégées. Et peut-être que si vous souhaitiez officialiser votre relation très rapidement, cela peut se faire. En tout cas, c'est la récompense. La récompense est le résultat de vos efforts passés, mes petits taureaux. C'est ce qu'on vous dit. C'est surtout le temps peut-être aussi de vous redécouvrir. Allez savoir. Car rien n'est jamais acquis, comme on vous l'a dit. Et surtout pas l'amour. Et encore moins l'amour de l'autre. Alors c'est peut-être aussi le moment de vous montrer inventif, de reséduire votre partenaire pour apporter peut-être une nouvelle dynamique dans votre couple, qui sait. En tout cas, surtout si vous avez eu l'impression que ce couple s'est essoufflé ces dernières années ou ces derniers temps, eh bien sachez que vous n'en serez qu'encore plus soudés par la suite.
N'hésitez pas, mes trésors, avec la carte de l'Union, franchement, c'est une très belle carte. Peut-être qu'au départ, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un trop-plein d'ambition ou quelque chose qui vous a empêché de voir que votre partenaire de cœur ou vous-même n'étiez pas en phase ensemble à ce moment-là. Peut-être qu'il y a même eu déjà une séparation entre vous. Oui, pour moi, il y a déjà eu une séparation, peut-être même. Vous vous êtes remis ensemble. En tout cas, c'est à envisager. On me parle aussi d'une plénitude des sentiments qui vous pousse à l'engagement. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez réellement envie d'officialiser votre union, votre relation actuelle par un mariage, par un pax, par une colocation, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui me parle vraiment d'union. On va demander un message supplémentaire au guide. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes anges, de me donner un petit complément d'information. Et oui, il va falloir reséduire hein, votre partenaire parce que votre partenaire est un peu las de votre caractère solitaire qui le met ou la met sous la douche. Donc, vous interprétez si vous êtes un homme ou une femme, bien entendu. Eh bien, n'oubliez pas que l'amour se partage, mes chers amis taureaux, et que même si vous vous trouvez heureux ainsi, eh bien, pensez aussi un peu à l'autre. Faites le point. Et vous verrez très vite que, par moments, votre vie prend un chemin bien trop différent. Réagissez vite, mes petits taureaux, avant qu'il soit trop tard, afin de consolider justement votre union, votre relation, par une union, peut-être, qui sait. Et en plus, on vous dit que c'est très bientôt. Et pour nos amis taureaux qui sont célibataires, eh bien, regardez ce qu'on vous dit, mes chéris. Bientôt une histoire d'amour. Avec la carte de l'union qui est là, on vous le confirme qu'il y a bientôt une histoire d'amour. Eh bien alors, ça va tenir? Oui, voilà. Donc, à ne pas en douter, avec la carte du progrès en plus qui était là, avec le Verseau. Eh bien écoutez, que vous dire de plus, mes petits taureaux? Hein? Je vais quand même vous prendre une carte de l'oracle de la chance, histoire de vous montrer que vous avez de la chance et que les énergies de cette nouvelle lune vous ont apporté pas mal de chance. En plus, c'était la nouvelle lune du 13. Donc, on va prendre l'oracle 13. Allez, c'est parti. Merci, mes anges. Merci, mes guides. Merci, mes archanges. Merci à source d'amour et de lumière. Merci à maman Marie de nous donner un message clair et précis. Amen. Et qu'est-ce que vous avez comme carte? Vous avez le serpent. Le petit serpent. Qui est malin, le serpent. Et quel est le message pour vous du serpent, mes trésors? Eh bien, le serpent a beaucoup de messages à vous donner, selon certaines croyances. D'ailleurs, la symbolique de cette carte l'associe aux ennemis. Et d'autres vont associer le serpent à la chance. Tout dépend des croyances. Quoi qu'il en soit, représenté chez les pharmaciens, il aurait la vertu plutôt de préserver des maladies, le serpent. Eh bien, en amour, on vous dit bien qu'il ou elle vous aime. Mais apparemment, ça ne vous suffit pas. Ou peut-être que ce n'est pas du goût de tout le monde. Il y a comme un espèce de climat de jalousie dans l'air. Trop de gens se sont mêlés dans votre relation. On vous demande de garder un œil vigilant sur votre chérie. Et justement, peut-être que quelqu'un essaie de vous la piquer ou de vous le piquer. On vous dit également de vous méfier de ceux qui cherchent à semer la zizanie dans votre couple. Les colporteurs de rumeurs, les racontards. Toutes les personnes qui n'ont rien à faire d'ailleurs dans votre intimité. À bannir, s'il vous plaît. Comme dit le vieil adage, pour vivre heureux, faut vivre caché. Et au niveau financier, la carte du serpent vous dit que vous vous montrez prudent. Vous n'avez rien à redouter, mais pourtant vous vous montrez prudent. Parce que vous avez trop peur que le danger vienne des autres. Vous avez trop peur aussi qu'on vienne jalouser votre situation, surtout si elle commençait à devenir confortable ou si elle l'est confortable. Et encore plus si vous essayez de vous stabiliser, vous avez peur que quelqu'un vienne vous déstabiliser. Eh bien, n'écoutez pas ceux qui vous promettent des placements à rentabilité exceptionnelle. C'est pas vrai, c'est de la poudre aux yeux. Vous êtes assez suffisamment malin pour savoir ce qui est bon pour vous, cher ami taureau, donc n'écoutez pas les gens, n'écoutez pas les serpents qui viennent vous sonner dans les oreilles. Et professionnellement, au niveau de vos activités, de vos projets, moins vous en direz et mieux ce sera. Je répète, moins vous en direz et mieux ce sera. N'allez pas attirer les serpents, n'allez pas attirer la jalousie, n'attirez pas les serpents à sonnette qui vont tirer la sonnette d'alarme sur vos projets. Et vos projets risquent de tomber à l'eau avant même de pouvoir aboutir ou malheureusement d'avoir des bâtons dans les roues.
Eh bien, quitte à passer pour un égoïste, mes petits taureaux, tant pis. Passez pour un rabat-joie, un égoïste, mais pensez à votre intérêt personnel avant tout. Et tant pis pour les mécontents. Parce qu'après tout, si vous briguez un poste important, il n'y a que comme ça que vous pouvez espérer remporter la partie. Et en plus, on vous parle d'un gros marché, quelque chose de prochain, très rapide, ça arrive rapidement. Et même si la concurrence, elle sera rude. Eh bien, ne parlez pas encore plus avec la carte du serpent, taisez-vous, ne dites pas quels sont vos projets. Ainsi, vous mettrez toutes les chances de votre côté et vous ne laisserez rien au hasard, mes petits taureaux. Voilà ce qu'on vous dit, surtout ne pas laisser quelqu'un vous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien voilà, mes chéris, j'espère que ce tirage a pu résonner. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais j'espère tout de même qu'il a pu vous aider. Je vais tout de même vous prendre un petit mantra pour vous aider, pour voir quels sont les conseils que les anges veulent bien vous donner. Le message plutôt, c'est même pas un mantra, je vais vous prendre un message angélique. Eh bien, votre ange vous indique que vous avez une parfaite connaissance de vous-même. Voilà ce qu'on vous dit. Une personne aux yeux clairs également éprouve de forts sentiments pour vous, mes amis taureaux. À vous de faire raisonner selon votre situation. Et votre ange vous indique bien que vous avez fait actuellement une parfaite connaissance de vous-même. Donc, mettez en pratique quels sont vos talents, mes trésors. Et si vous êtes célibataire, on vous dit bientôt une histoire d'amour. Si vous êtes en couple, consolidez vos acquis avec la carte de l'union. Voilà ce qu'on vous dit, mes chéris. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre présence. Merci, merci, merci d'enrichir ma vie. Merci d'enrichir cette chaîne. Mes chers amis, à très très vite pour une nouvelle guidance, mes petits taureaux. Je vous ferai une vidéo à part, rien que pour les énergies sentimentales. En tous les cas, je vous fais de gros bisous. Merci pour votre patience. Désolée encore pour le retard, mais vaut mieux tard que jamais. À très vite, mes amis. Soyez bénis.